calcule bien enfin, dans les textes, tu vois. Alors que c'était le Seigneur qui a permis ça pour la vie de Job. Il a perdu ses enfants, sa famille, il aimait tout. Pire que nous, il a perdu tous ses enfants en un jour, je crois même. Si je ne me trompe pas. C'est ça, en deux jours. Hein. Donc, est-ce que vous comprenez? Ce qu'il a vécu, Job, là, maladie, tout ça. Mais frère, c'est compliqué ce qu'il a vécu, Job. Est-ce que nous, on va supporter ça, même nous? Bien que le Seigneur ne tombe pas de nos forces, comme on a dit. Mais ce qu'il a vécu, là, frère, oh là là, oh là là, non. C'est compliqué, vous voyez? Et Job est passé par là. Et ça avait quel but après? Quel but ça avait derrière? C'était pour qu'il voie le Seigneur de ses yeux. Parce qu'il a dit, il avait entendu parler de lui, mais là, mes yeux t'ont vu. En fait, le Seigneur s'est glorifié après d'une manière. Il a vu qui est le Seigneur. Vous comprenez? Donc en fait, nos épreuves, nos combats, tout ce qu'on peut vivre, ça a pour but de voir le Seigneur. Donc, c'est pour qu'on puisse le voir et tomber encore plus amoureux de lui. C'est pour ça qu'il permet les épreuves de nos vies, des moments difficiles. C'est pour qu'on puisse tomber amoureux de lui. Parce que si on vit rien avec le Seigneur, on va dire, mais je suis chrétien, mais t'as vu quoi? T'as fait quoi? Qu'est-ce que t'as vécu avec le Seigneur? Mais en fait, tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Parce que le but de nos souffrances, c'est pour qu'on puisse le connaître. C'est ça le but aussi de nos souffrances. De nos souffrances, c'est plus qu'on puisse le connaître aussi. Vous comprenez? Et on a vu que Satan, en fait, faisait le tour de la terre. Et le Seigneur l'a appelé pour dire, ah, as-tu vu mon serviteeur? En fait, c'est le Seigneur qui a permis à ce que le diable puisse toucher à ses biens. Mais le Seigneur lui a dit, touche pas son âme, hein, par contre. Hein. Ouais. Touche pas sa vie. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, les souffrances qu'on peut vivre, les combats qu'on peut vivre, les choses qu'on peut vivre, ça va pas nous tuer. Moi, j'ai bien de comprendre. Mon frère, papa, Seigneur Jésus-Christ, papa, que sa vie, papa, soit tellement, papa. Seigneur, déclare, papa, sa restauration, sa délivrance, papa. Que ton esprit, papa, Père de gloire, soit tes mains, Seigneur. Alléluia. Père, on proclame, papa, que ce soit un homme, papa, de feu. Un homme, papa, qui va te glorifier. Un homme, papa, qui va t'adorer. Un homme, qui va persévérer, papa, guerrier de Jésus et Nazareth. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit. Oh Seigneur, merci pour ta glorie, papa. T'adorer, Seigneur, te louer, papa. Seigneur, merci, papa, pour tous les miracles que tu feras, papa, à travers sa vie, Seigneur. Oh, on le déclare, papa. On le proclame, papa. Merci, papa, pour la gloire, la puissance d'en haut, papa, dans sa vie. Oh Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je te baptise, mon frère, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen, alléluia, amen. Seigneur, merci papa pour tout ça, papa, ta grâce, papa. Père, merci pour sa vie, papa, que tu as délivré, papa, que tu restaures, ta grâce, papa, merci. Seigneur, laisse mon sang, ça, Jésus-Christ. Rien va l'empêcher de ton nom, Jésus. Rien va l'empêcher de ton Seigneur, papa. Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ, avec tous ces esprits, papa, s'il ne veut pas qu'elle entende ta voix, Seigneur. Je te baptise au nom puissant de Jésus-Christ, Aïssa. Amen. Amen, Aïssa. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.